Ce programme vous est présenté par LBH, société spécialisée en stratégie politique et en communication de crise. Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de cette série d'émissions réservées à l'évolution de la vie politique en Tunisie, nous recevons aujourd'hui un monument de la politique tunisienne, une personnalité engagée de la première heure, un nationaliste convaincu et qui a fait ses preuves durant des décennies, un homme politique qui n'a pas hésité à confronter Ben Ali en conservant un parti sous le règne de Ben Ali, mais parti d'opposition, qui s'est distingué par plusieurs actions remarquées et marquantes. C'est M. Mohamed Najib Chebbi. Il a participé à plusieurs opérations d'éclat, dont une qui avait une importance capitale dans l'histoire de la Tunisie, la grève de la faim qui a abouti, avec ses camarades de l'époque, à l'accord du 18 octobre, à l'alliance du 18 octobre. Mohamed Najib Chebbi est un acteur averti, est un fin stratège, un tacticien connu et reconnu. Il a vécu la période de la révolution tunisienne de l'intérieur et c'est en cela que pour nous, en tant que médias et pour vous, téléspectateurs, il acquiert une importance capitale aujourd'hui parce que nous allons nous adresser à un témoin direct et un acteur, pas seulement un témoin, parce qu'un témoin est souvent, inactif, observateur. Il s'agit aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui était acteur pendant les moments les plus difficiles qu'a traversé la Tunisie du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011, mais également il a participé à la première expérience du gouvernement, une brève introduction dans ce gouvernement de Ranouchi, si je ne me trompe. Mohamed Najib Chebbi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur les ondes de Ouma TV. Je précise que je vous reçois en qualité aujourd'hui de président de la haute instance politique du parti El Jomhouri. En français, c'est le parti républicain. Donc, vous vous définissez vous-même comme un centriste démocrate et social. Tout à fait. Nous allons venir à votre parti pour savoir un peu quels sont les objectifs, quelles sont les finalités. Mais, tel que vous l'avez entendu pendant cette introduction, j'aimerais savoir ce que vous avez vécu de l'intérieur au moment de l'ébullition en Tunisie jusqu'à la chute de Ben Ali, et je ne dirais pas du régime Ben Ali, puisqu'on en parlera de ça aussi, de cet aspect où beaucoup d'observateurs considèrent que le régime demeure, du moins une bonne partie de ce régime demeure. La révolution tunisienne, dans sa dimension politique, nous a surpris comme tout le monde. On ne s'attendait absolument pas à l'effondrement du régime de M. Ben Ali en si peu de temps, en 4 semaines de révolte sociale. Par contre, l'ébullition sociale, ce séisme social, il était prévisible et nous l'avons prévu. J'ai personnellement écrit plusieurs articles, fait plusieurs discours sur l'imminence d'un tremblement de terre social. Il y a eu d'abord ce sit-in de 6 mois dans le bassin minier à Gafsa qui montrait le degré de tension sociale qui couvait dans le pays. Il y a eu beaucoup d'autres signes précurseurs. Mais personne ne voulait en tenir compte. Et la révolution a donc éclaté d'abord en tant que révolte sociale des jeunes qui se sentaient exclus, humiliés et qui aspiraient au travail dans leur propre région. C'est pourquoi la révolution, il y a 2 causes qui l'ont fait éclater, l'emploi des jeunes et le développement des régions. Donc dès son départ le 17 décembre, nous y avons pris part. Le premier comité constitué à Sidi Bouzid pour soutenir la révolte des jeunes a été présidé par M. Atiyah Athmouni, qui était à l'époque membre de notre bureau politique. Il était le porte-parole officiel du mouvement à Sidi Bouzid. Je rappelle qu'à l'époque, votre parti ne s'appelait pas El Jomhouri. Il s'appelait le PDP, le Parti démocrate progressiste. Et donc, dès le premier jour, nous avons pris part à cette révolte des jeunes à travers le pays. Beaucoup de nos militants ont été arrêtés au cours de ces journées révolutionnaires. Et le 14 janvier,
toute la direction du parti était dans la rue, à l'avenue Habib Bourguiba. Notre secrétaire général, Maya Jribi, était porté sur les épaules devant le ministère de l'Intérieur lui-même. Et notre journal relatait les événements et prenait des positions. Nous avons réclamé le départ de plusieurs ministres, la constitution d'un gouvernement de salut public, la dissolution des assemblées, etc. C'est-à-dire qu'on accompagnait le mouvement et on essayait de lui donner un sens politique. Vous-même, vous vous êtes exprimé dans divers médias internationaux tout pendant à fait, toute cette période. Tout à fait. Et notre local central était une plateforme d'information pour tout ce qui était audiovisuel, c'est-à-dire les télévisions par satellite, qui était le seul moyen pour nous d'accéder à l'information, puisque tout était verrouillé. Si vous me permettez, pour la vérité historique, je rappelle que votre parti de l'époque, le PDP, ainsi que la centrale syndicale, étaient les deux moteurs les plus actifs de la révolution et surtout de son organisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Tout à fait. L'UGTT, non pas officiellement, mais de fait, a prêté ses locaux dans toutes les régions au mouvement insurrectionnel. On ne savait pas à l'époque qu'il avait cette charge politique. Mais la rigidité du système, son manque de mécanisme de gestion des crises politiques a fait qu'il a succombé à 4 semaines de révolte qui se sont propagées du sud, plutôt du centre-ouest, de Sidi Bouzid à Kasserine, et puis de ville en ville jusqu'à Sfax, et puis Tunis. Et ça a été la chute du régime. Je vous rappellerai que nous avons eu une première en 1978, la guerre du pain, ou la révolte du pain, qui était partie elle aussi de Kabylie, a gagné petit à petit l'ensemble du pays, et qui n'a pas pu être matée par le régime à l'époque, malgré l'utilisation de la force. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et c'était Bourguiba a sauvé la situation en accédant aux revendications de la population. Et à l'époque, c'était l'abaissement du prix du pain. C'était assez facile. Mais pour notre révolution actuelle, le régime n'avait ni l'envergure politique, ni les moyens aussi. La rigidité de son système ne lui permettait pas d'avoir la réaction adéquate à ces événements. Monsieur Chabé, s'il vous plaît, sur ce point précis, il y a une question importante. Est-ce que le régime est tombé, et Ben Ali en premier, parce que c'était un tigre de carton, ou bien est-ce que, et là, il y a toute la difficulté de la réponse pour beaucoup de politiques que j'ai rencontrés, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un coup de main de l'intérieur du régime lui-même pour se débarrasser de cette charge qui est devenue Ben Ali et sa famille ? Je pense qu'à sa fin, le régime était totalement isolé, y compris par rapport aux forces de sécurité et aux membres du parti. Il y avait un ras-le-bol. Il y avait une désaffection. Les gens ont cessé de croire en leur mission, que ce soit la police, que ce soit les membres du parti d'Estoriens, le RCD. Ils sentaient qu'ils étaient au service d'une cause familiale qui ne pouvait pas les motiver. Et donc, le régime était extrêmement isolé. Et puis, je pense que pour comprendre le phénomène qui s'est passé en Tunisie, il faudrait jeter un regard sur l'effet qu'il a eu immédiat sur le monde arabe, en Égypte, en Syrie actuellement, en Libye, c'est que, à mon avis, les mêmes causes donnent le même effet. Les régimes arabes étaient, vers 2010, ossifiés. Lorsqu'ils se réunissaient en sommet, les gens vivaient leur rencontre comme une humiliation, tellement ils étaient coupés de la réalité populaire dans l'ensemble des pays arabes. Donc, il y avait un échec du modèle de développement. À mon avis, la Tunisie se développait. La Tunisie faisait du 5% de croissance, mais elle échouait sur deux plans. L'intégration des jeunes dans le processus économique et l'intégration des régions dans cette croissance. Donc, il y a eu deux grandes exclusions, celle des jeunes et celle des régions de l'intérieur tunisien, c'est-à-dire de la Tunisie profonde. Cette double exclusion a fini par atteindre le point de rupture et ça a été la cause sociale et objective de la révolution. Une double exclusion à laquelle s'ajoutait, selon
beaucoup de citoyens que j'ai rencontrés, un étalage de richesse provoquant, tout arrogant. Tout à fait. Et il y avait cette arrogance qui n'était plus acceptable pour le citoyen. Est-ce que c'était ça le cas Et mal acquis, tout à fait. C'était dire que c'était la goutte qui a fait déborder le vase, ça serait l'amoindrir. Mais les gens se sentaient humiliés de voir autant d'opulence mal acquise, sans le moindre respect. Sans aucune gêne, sans morale et sans respect des citoyens qui assistaient impuissants et qui se sentaient humiliés. Ça a été l'une des causes de la révolte. C'est Ahmed Najib Echeb, et je ne veux pas avoir la prétention dans cette émission de dire que nous allons, en tant que Ouma TV, apporter la réponse à une question qui n'arrête pas de ressurgir de temps en temps, à savoir, et d'ailleurs c'est contre-productif, c'est une révolution ou pas une révolution, je crois que ce n'est pas ça le plus important. Par contre, il y a une question importante, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, des articles venant de l'étranger et de l'intérieur, disant qu'en vérité ceci est un plan et une stratégie américaine et que c'était planifié depuis fort longtemps, et que ce ne fut qu'un prétexte, cette étincelle boisise et ce soulèvement populaire. Est-ce que d'abord ce n'est pas amoindrissant, réducteur pour la volonté du peuple, et deuxièmement, quelle est la part de vérité pour clore ce faux débat? D'abord, pour moi, c'est une révolution. Elle a commencé comme révolte sociale, mais elle s'est transformée en 4 semaines en révolution politique, au sens où elle a abouti au renversement d'un régime politique et à l'émergence d'un nouveau régime, ce régime de transition qui est issu des urnes et dont les représentants n'ont aucun rapport avec l'ancien régime. C'est une autre classe politique qui a été portée au pouvoir par cette révolution. Donc, si par révolution on entend un changement brusque de pouvoir reposant sur une volonté populaire, c'est-à-dire par l'action d'un peuple révolté, c'est une révolution. C'est une révolution au sens social. Elle peut ne pas aboutir, elle peut être trahie, ou encore des dangers pèsent sur cette révolution, mais on ne peut pas lui nier le caractère de révolution. Quelle est la part de l'étranger ou des Américains dans cette révolution? Dire qu'il n'y a aucun effet, ça serait ne pas reconnaître l'importance du Facebook, de l'Internet, des nouvelles technologies de communication dans la mobilisation de la jeunesse et dans l'encouragement de ces actions. Mais c'est un effet plus qu'une cause. Je ne pense pas du tout que les Américains aient planifié la révolution arabe. Ils ont certainement agi pour pousser la démocratisation des régimes arabes, et ce, dès le règne de M. George Bush fils. Il y a eu une action de la diplomatie américaine, une action de l'Amérique en vue d'une certaine démocratisation du monde arabe, ne serait-ce que par le recours à la guerre, comme ce fut le cas en Irak. Et ça a été un grand échec et, comme ils disent, un mess, une faillite. Donc, mais la révolution tunisienne a surpris les Américains comme le reste du monde. Ils ne l'ont absolument pas prévu. J'étais en contact avec les diplomates américains à Tunis, puisque je suis resté en Tunisie pendant toutes les 20 ou 30 dernières années. Et dans mes discussions avec eux, je ne sentais absolument pas qu'ils prenaient la mesure de l'état du pays. Qu'une révolte sociale soudaine et brusque n'était absolument pas, enfin, si je peux me permettre à en juger par mes discussions, mes contacts, etc., je pense que les pays étrangers n'ont pas vu venir ni la révolution tunisienne, ni la révolution arabe. Il y a une interaction, le Facebook, l'Internet, les technologies. Et puis ils ont saisi l'occasion aussi pour soutenir ce mouvement, parce qu'ils savaient qu'il allait être irréversible. Ça, c'est de l'opportunisme politique. Ils ont pris acte, et évidemment... Plus vite que la France, parce qu'on se souvient que la France, quand même, a traîné des pieds pendant longtemps. Il y a eu une hésitation, mais comme le reste du monde, ils se sont adaptés aux nouvelles réalités, ils ont pris acte, ils ont dépêché des émissaires de toutes parts pour prendre connaissance des nouvelles réalités et adapter leur stratégie. Si Najib, vous avez été reçu en consultation par Ben Ali pendant cette période trouble, comme tous les autres chefs de parti, je suppose, non? Non. Vous n'avez pas été reçu. Je n'ai pas vu M. Ben Ali depuis le 20 septembre 1990 et jusqu'à aujourd'hui.
Je ne dirais pas jusqu'au jour de son départ, mais jusqu'à aujourd'hui. Et vous, donc, je suppose que vous ne comptez pas le revoir non plus. Je ne parle pas à titre personnel. Il n'est pas prévu dans mes plans de rencontrer M. Ben Ali, mais je ne l'ai pas vu. Une question qui taraude beaucoup d'observateurs. Votre parti, PDP devenu Jomhuri, était vraiment positionné comme le parti tunisien qui devait avoir la tête de la vie politique tunisienne immédiatement après la révolution, pour le rôle que vous avez joué, que personne ne peut nier. Que s'est-il passé? Oui, nous avons été, comme tout le monde, surpris par les résultats des élections d'octobre 2011. Nous étions donnés pour être, sinon le premier, du moins le second parti au coude à coude avec le mouvement Ennahda. C'était les sondages qui le disaient. Il y a eu un grand engouement en faveur de notre parti. Et malheureusement, nous n'avons pas obtenu le score souhaité. Pourquoi? Je pense que nous avons commis des erreurs de communication qui ont été utilisées contre nous par nos concurrents, pour ne pas dire nos adversaires politiques. Et il y a eu une hésitation au niveau de l'électorat et nous n'avons pas obtenu... Quelles sont ces erreurs selon vous? Parce que vous êtes quand même le leader de ce mouvement. Oui, il y a un certain nombre d'erreurs. Par exemple, à un moment où les forces politiques jouaient sur le sentiment de peur, le peur de la restauration de l'ancien régime, nous nous disions que l'ancien régime est derrière nous, qu'il ne reviendra plus jamais et que nos défis sont devant nous, ils sont économiques et sociaux. Ça n'a pas été entendu dans la mesure où il est plus facile d'attiser les sentiments de peur des citoyens que de s'adresser à leur raison. C'est une erreur de communication certaine. Nous avons attiré l'attention des électeurs sur les failles du mouvement Ennahda, le fait qu'il n'ait pas de programme à proposer et que l'utilisation de la religion ne pouvait pas suppléer un programme politique. Et nous avons aussi attiré l'attention sur les dangers hégémonistes que pourrait receler une domination du mouvement Ennahda. Ces choses-là se sont révélées par la suite et nous avons payé le prix d'une absence de programme, d'une absence de compétences. Les deux gouvernements de la Troïka dirigés par le mouvement Ennahda ont fait faillite politiquement, sur le plan politique, économique, sécuritaire, et ils ont dû céder le pouvoir aujourd'hui, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. Mais ces choses-là n'étaient pas entendues au moment où on le disait, dans la mesure où les gens pensaient qu'ils étaient victimes de la répression, qu'ils craignaient Dieu et qu'on pouvait leur confier les deniers de l'État, etc. Donc, il n'y a pas eu une communication adéquate. Je pourrais citer... Finalement, si vous permettez, à ce niveau, même à plus longue échéance, ça vous a servi et ça vous servira peut-être aux prochaines échéances, puisque j'ai posé la question clairement à Rachid Ghannouchi il y a 4 jours, je lui ai dit, moi, le chauffeur de taxi, le vendeur, la ménagère, je discute avec les citoyens, ils me disent, on les a choisis parce qu'ils khafou rabbi, oui. Et je lui ai dit textuellement cette expression, finalement, ils se sont avérés pires que les autres. C'est ça l'expression populaire. Et bien évidemment, cela ne lui a pas fait plaisir. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas pour vous autres partis mieux que Ennahda ait passé par cette expérience de gouvernance alors qu'elle n'avait aucune expérience et que finalement, ça pourrait à terme se jouer contre eux? D'un point de vue politicien, on pourrait le dire. Mais la situation est tellement grave qu'on ne se permettrait pas. Les Tunisiens ont été déçus par la révolution. Ces jeunes qui se sont donnés pour la Tunisie, ils aspiraient et espéraient trouver un travail et voir leur situation changer, notamment la situation de leur région. 3 ans après, notamment la 4e année, ils ne voient rien venir et ils sont en crise de confiance avec l'ensemble de la classe politique. Parce que les tiraillements idéologiques qui ont dominé ces 3 années et qui ont opposé les éléments constitutifs de notre personnalité de base, l'héritage islamique défendu par les uns,
l'héritage bourguibien défendu par les autres et en opposition avec l'héritage islamique a fait que les Tunisiens ne se sont pas trouvés dans ces conflits idéologiques exacerbés. Ils en ont été fatigués. Leur situation économique a empiré. Les défis sécuritaires se sont amplifiés. Et aujourd'hui, ils sont dans une attente politique. Ils ne sont pas dans ce conflit idéologique. Ils attendent une force qui réponde à leurs aspirations légitimes. C'est quoi leurs aspirations ? Elles sont pour nous au nombre de 5, essentiellement. C'est le rétablissement de l'autorité de l'État. L'administration, l'état des rues. Il y a une déliquescence. Une déliquescence visible. Voilà, il y a une. Je ne dirais pas une déliquescence de l'État, il y a une déliquescence de la situation, mais l'État est ébranlé, son autorité est ébranlée, et donc la discipline, le sens du travail se sont beaucoup affaiblis. Le rétablissement de la sécurité. Et la sécurité a un double aspect. La sécurité politique, la lutte contre le terrorisme, contre les assassinats politiques, contre la violence politique exercée par les LPR, ce n'est qu'un aspect. Les délits de droit commun. Aujourd'hui, le vol est une véritable menace. Les paysans, là où je vais, réclament aujourd'hui l'autorisation d'avoir un fusil. Parce qu'ils sentent que la sécurité est défaillante et pour défendre leurs troupeaux, leurs biens, ils ont besoin de s'armer. Enfin, même leur récolte dans certaines régions d'où je viens. Voilà. Mais voilà. Et surtout le bétail. Aujourd'hui, l'un des handicaps de l'élevage, c'est le vol. Beaucoup de paysans m'ont raconté qu'ils sont allés dormir le soir ou rompre le jeûne au mois de Ramadan, et au retour, leurs bêtes avaient disparu. Des camions arrivent. Des fois, ils peuvent assister impuissants à ces actes criminels parce qu'ils préfèrent sauver leur vie plutôt que de défendre leur bétail. Donc, je voulais dire, les femmes ont peur de sortir. Je n'exagère pas, mais la situation n'est pas catastrophique, mais il y a un fort besoin de rétablissement de la sécurité. Donc, rétablissement de l'autorité de l'État, rétablissement de la sécurité, emploi des jeunes, développement des régions et, enfin, rétablissement du pouvoir d'achat. Parce que les Tunisiens ont vu leur pouvoir d'achat se détériorer. Les familles tunisiennes, aujourd'hui, manquent de protéines. Beaucoup me disent que depuis un certain temps, je ne voudrais pas exagérer, ni effrayer, ils n'ont pas pu s'acheter de la viande. Donc les Tunisiens, non seulement... Je voudrais dire à nos téléspectateurs, puisque je suis un témoin direct, le kilo de viande d'agneau en Tunisie est beaucoup plus cher que le prix à Paris, alors que le rapport salaire-prix n'est pas le même. Du tout. Donc il y a des attentes fortes. Le pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, le développement des régions, le rétablissement de la sécurité et celle de l'autorité de l'État. Les Tunisiens sont donc en attente d'une offre politique qui réponde à ces besoins. Et au lieu de cela, ils n'entendent que des querelles politiques entre les responsables des partis qui nous donnent l'impression, à nous observateurs, qu'il s'agit d'une guerre de positionnement. Ce qui explique qui nous laisse craindre que le taux de participation aux prochaines élections ne soit pas plus important que... Avant que je vous pose la question sur le climat de confiance et la confiance dans le politique en Tunisie, par le peuple, les électeurs, je voudrais qu'on approfondisse juste cette question de l'importance de votre parti, et puis je ne dirai pas de sa marginalisation, le Jomhouri est un des acteurs importants de la vie politique tunisienne, mais tout de même, au mieux, je dis bien au mieux, il est en troisième position. Oui. Après un parti qui n'existait absolument pas au 14 janvier, est-ce que ce ne sont pas les choix d'alliances et les alliances et les mésalliances qui ont joué aussi un peu? Moi, je me souviens d'une réunion tout de suite après la Révolution, où Mayajrib était porté sur les épaules, un meeting commun PDP-Nahda à Paris, pas à Paris, à Saint-Denis, à la Bourse du Travail, auquel j'ai assisté, et qui était quelque chose d'extraordinaire à voir. Et par la suite, on voit d'autres changements, on voit d'autres alliances, on voit un rapprochement avec Nida Tounes, on voit...
Est-ce que ça ne vous a pas joué un tour, peut-être, avec le peuple et surtout dans la notoriété de votre parti ? Certainement que notre alliance avec Nidetouns nous a causé un certain tort. Nous avons accepté de former une alliance avec Nidetouns dans le cadre de ce qu'on a appelé l'Union pour la Tunisie, espérant rétablir le paysage politique. Parce que pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait poids et contrepoids. Et donc, face au mouvement Nahda et à la Troïka, il y avait une dispersion des forces. Et donc M. Bejiret Sepsi, en janvier 2012, a posé ce problème et a appelé tous les démocrates à se fédérer pour créer ce contrepoids nécessaire au fonctionnement de la démocratie. Nous l'avons accepté, mais malheureusement, et c'était en prévision des prochaines élections, bien évidemment, nous l'avons accepté, mais malheureusement, nous avons découvert que nous n'avions pas les mêmes objectifs politiques et qu'il n'était absolument pas dans l'intention du mouvement Nidetouns de constituer un front électoral quelconque. Et donc, au bout d'une année, nous avons préféré reprendre notre indépendance, notre distance, et depuis, nous sommes en train de reprendre, de reconstituer nos forces et de peser d'un poids plus lourd dans la vie politique. Et ce que nous souhaitons, c'est d'être cette force centriste d'alternative qui dépasse les conflits idéologiques et s'adresse aux Tunisiens sur la base d'une offre politique qui répond à leurs attentes. Comment capitaliser votre militantisme, votre engagement en tant qu'individu, en tant que parti, pour que enfin, parce qu'il s'agit de reconnaissance, le vote, votre action, votre parcours, c'est le parcours d'une vie, soit enfin reconnu, peut-être par la magistrature suprême, ou en tout cas par une position importante de votre parti. Voilà. Je pense que la Tunisie va au-devant d'une grande compétition politique et qui va être déterminante pour l'avenir de la Tunisie. La réalisation des aspirations des Tunisiens et de leurs attentes par rapport à la révolution ne pourra se faire que grâce et autour d'un gouvernement stable, c'est-à-dire issu des urnes et qui, en plus, envisage l'avenir dans un esprit de concorde nationale. Si le tiraillement entre partis va persister, la Tunisie ne va pas retrouver sa stabilité ni son chemin pour le progrès. Donc, au cours des prochaines élections, les forces vont s'adresser aux citoyens. Un citoyen qui aujourd'hui est circonspect et même en méfiance par rapport à la classe politique. D'ailleurs, c'est un phénomène plus ou moins mondial. Oui. Mais particulièrement en Tunisie, où les gens sont réellement déçus de la gestion de leurs affaires depuis la révolution. On vient de voir la sanction terrible en France oui, contre le Parti socialiste. Tout à fait. Le Parti Jomhouri, il me semble qu'il a saisi les attentes sociales, économiques, sécuritaires et politiques des Tunisiens. Il a un programme pour réaliser ces attentes. Et il a une vision pour mener le pays dans un esprit de concorde nationale. Mais il a aussi à son avantage des valeurs qui ne sont pas des discours creux ou des slogans qu'il a découvert récemment. Au-delà de la démagogie politique. Mais qui expriment la quintessence de son expérience politique sur 30 ans. Nous avons 30 ans d'âge et au cours de ces 30 années de lutte, nous pouvons dégager trois grandes valeurs qui correspondent aussi aux besoins des Tunisiens. Le premier, c'est l'attachement à la démocratie, une démocratie inclusive pour tous. Nous avons, au cours de ces 30 dernières années, défendu tous les Tunisiens, quelle que soit leur obédience ou leur orientation politique, des communistes aux salafistes. J'ai pris part personnellement au procès de Soliman, pour défendre le droit de ces jeunes qui étaient jugés, leur droit à un procès équitable. Je ne défendais pas leur projet, mais leur droit en tant qu'hommes et citoyens. Et cela, nous l'avons fait à l'égard de toutes les familles politiques, sans aucune exception. Donc, la démocratie, c'est quelque chose à laquelle nous croyons. Et
toutes les enquêtes montrent qu'en Tunisie, malgré toutes les déceptions, les Tunisiens sont encore attachés à la conquête de la liberté et de la démocratie. C'est un acquis qu'ils ne veulent pas abandonner, malgré tous les sacrifices auxquels ils ont consenti. Le deuxième point, c'est aussi notre dimension sociale. Nous sommes porteurs d'un projet social progressiste. Nous avons été du côté de toutes les classes populaires dans la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et cette question du déséquilibre régional, nous l'avons découvert plusieurs années avant la Révolution et nous avons dit que cela finira par provoquer une déstabilisation et une perte de cohésion de la cohésion nationale. Et ce n'est pas par hasard si, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, en participant au premier gouvernement issu de la Révolution, celui qui a été constitué le 15 janvier, j'ai choisi le portefeuille du développement régional et local. C'est que j'étais très conscient de l'importance du développement régional et local pour la stabilité du pays, pour la prospérité, pour la solidarité entre Tunisiens et pour leur bonheur, finalement. Monsieur Ahmed Najib Cheb, j'ai cru comprendre par les diverses rencontres que j'ai faites cette semaine que la situation économique était, sans vouloir être alarmiste, plus que catastrophique. Alors, au-delà des projets, des intentions nobles dont personne ne doute, quand il n'y a pas de moyens, je crois que c'est Jean Jaurès qui a dit « une politique sans finances est une politique sans existence ». Bien sûr. Comment et quels sont les défis qui attendent le prochain gouvernement qui ne sera pas provisoire, qui sera élu permanent pour un mandat de 5 ans? Comment va-t-il faire face et quels sont les moyens? Parce que c'est bien d'avoir des bonnes intentions. Est-ce que ça ne sera pas encore plus difficile pour celui qui va gouverner? Ça va certainement être beaucoup plus difficile que ça n'a été jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au moment où M. Ben Ali quittait le pays, les caisses de l'État n'étaient pas vides. De l'argent était entreposé à la Banque centrale. Ce n'est pas ce qu'a dit Bagi hier. M. Bagi Pretzeps, il a dit qu'il n'y avait rien. Il peut dire ce qu'il veut, mais il y avait au moins 2 000 milliards, c'est-à-dire 2 milliards de dinars, que la Tunisie a obtenu, oui, qui étaient déposés en réserve, et qui venait de la vente de 30% de Tunisie Télécom. Il y avait 2 000 milliards entreposés. Le taux d'endettement était de 38%. Le déficit budgétaire était de quelque 2%. L'inflation ne dépassait pas les 2,5%. Ce sont les données. Donc, à ce moment-là, notre projet c'était reposé sur deux grandes orientations. Des investissements publics massifs en infrastructures et équipements collectifs pour donner aux régions le cadre de leur développement. Et la deuxième orientation, c'était de doter les régions qui ont été délaissées des fonds de développement, où il y aurait plusieurs centaines de millions de dinars pour aider le secteur privé, c'est-à-dire les petites, moyennes et très petites entreprises, les jeunes promoteurs, pour qu'ils créent de la richesse et de l'emploi, qu'ils travaillent eux-mêmes et qu'ils fassent travailler leurs co-régionnaires. Donc, si on avait suivi une bonne politique, on aurait pu répondre aux attentes des Tunisiens et la situation aurait été meilleure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau problème, celui de récolter les fonds. Fort heureusement, la Tunisie, la machine productive en Tunisie ne s'est pas totalement arrêtée. Au contraire, elle continue à produire. Et donc l'État peut prélever localement des fonds. Ils ne seront pas suffisants. C'est pourquoi la coopération internationale est absolument nécessaire. Et je pense que la stabilisation de la Tunisie, c'est-à-dire l'élection d'un gouvernement qui repose sur une volonté populaire librement exprimée et en même temps l'esprit de concorde nationale et d'avoir en vue le rétablissement de la sécurité dans le pays, cela ne pourra qu'encourager le retour des touristes, le retour de l'investissement étranger direct et aussi améliorer l'image de marque de la Tunisie sur les marchés financiers internationaux, parce qu'elle a été dégradée. J'ai reçu les deux anciens premiers ministres, Jbelli et Ali Larid, et les deux disent « on ne nous a pas laissé travailler ».
bien sûr, pas tous ces termes, mais voilà, l'artiste à mettre, les blocages, les manifestations, les tiraillements, les chamailleries, on a reçu tous les blocages possibles et imaginables. Est-ce que là, cela suffit pour expliquer l'état dans lequel se trouve l'économie tunisienne aujourd'hui? Objectivement. Vous connaissez le proverbe tunisien qui dit « Elle est trop naïde, elle est trop masoura ». Comment on peut le dire en français? La personne incapable de faire se dit, comment on dit, masoura. Ensorcelé. Ensorcelé, si vous voulez. C'est-à-dire, on cherche toujours à remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, donc à rechercher le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, pour le gouvernement de M. Jbelli, ça a été l'opposition. Il suffisait que l'opposition critique ses orientations, ses choix, et propose d'autres orientations pour considérer cela comme un travail de blocage. Mais malheureusement, les agences internationales l'ont très vite constaté, le gouvernement n'avait aucune vision, ni surtout aucune compétence pour diriger les affaires économiques du pays. Je crois que c'est la cause essentielle. Les élites qui ont pris le pouvoir n'étaient absolument pas préparées pour le faire. Vous les avez côtoyées, vous travaillez avec eux, vous êtes leur collègue à l'Assemblée nationale constituante, vous rencontrez Rajl Ghannouchi, il y a eu un début d'alliance. Est-ce que l'inexpérience, parce que vous non plus, vous n'avez jamais dirigé votre parti, j'entends, mais est-ce que cette inexpérience justifie à elle seule, ou il y a autre chose? Parce qu'il y a quelque chose de terrible, les gens se posent la question, l'inexpérience n'est pas suffisante. Je crois qu'elle est importante. Elle n'est pas la seule cause. C'est ça qu'on aimerait comprendre. Si l'on prenait un autre exemple. Oui. Au moment où le mouvement national prenait le pouvoir à l'indépendance du pays, ni M. Bourguiba, ni aucun de ses amis, presque, n'avaient d'expérience de l'administration ni de la gestion de l'État. Mais ils avaient la vision politique nécessaire. Et la notion de l'État. La notion de l'État, oui, mais surtout la vision politique qui leur a permis de faire d'un pays sans ressources naturelles abondantes et qui souffrait de la pauvreté et surtout de l'analphabétisme, leur vision politique leur a permis de mettre à contribution la coopération internationale et le pari sur les ressources humaines pour faire de la Tunisie un exemple de développement. On a misé sur l'école, sur la santé, l'hôpital, on a développé les ressources humaines de la Tunisie et on a réformé les structures sociales, libéré le potentiel de la femme tunisienne et on a permis donc de faire de la Tunisie, de pays retardataire sans ressources, un pays évolué malgré tout. Donc, je pense qu'à la base, il y a la vision. Il y a la vision et il a manqué à nos amis qui nous ont gouvernés au cours des deux dernières années une vision politique claire. Peut-on répondre à certaines rumeurs de l'époque qui continuent, pas avec un peu d'insistance, mais qui continuent à être relayées? Il semblerait qu'il y avait un accord entre vous et Nahda pour que vous soyez à Carthage, président. Est-ce qu'il c'est vrai? Et est-ce que vous avez été trahi par Nahda? Est-ce que vous, au moins, avez le sentiment d'avoir été trahi par Nahda? Et est-ce qu'une alliance future pour les prochaines élections est envisageable après avoir quitté l'appel pour la Tunisie et Nida Tounes? D'abord, je peux vous assurer, et je suis un homme connu pour ne dire que la vérité, je l'espère du moins, que la question de la présidence n'a jamais fait l'objet d'échanges ni de négociations avec mes amis du mouvement Nahda. Nous avons été en compétition en 2011, nous avons été en opposition en 2012, et à partir de 2013, au moment où la Tunisie quittait cette légitimité électorale née des élections de 2011, et que le pays était enveloppé dans le brouillard et on ne savait plus où il allait, nous avons en 2013 cherché un consensus avec Nahda pour abréger cette phase de transition, aller à des élections libres et donc donner à la Tunisie les conditions de sa stabilisation. Nous avons plus ou moins abouti, nous avons abouti au gouvernement Mahdi Jomah, qui n'a pas été consensuel lors de sa formation. Je voudrais dire aux téléspectateurs que vous l'avez vu et vous allez le voir, les autres responsables que j'ai reçus,
Ils ont tous utilisé le mot « nous avons forcé Nahda à quitter le pouvoir et nous ne lui avons pas laissé le choix ». Je remarque que Ahmed Najib Chebbi utilise le terme « consensus » et trouver une solution avec Nahda pour que le gouvernement Mehdi Jomah arrive. Est-ce que c'est simplement un problème sémantique ou non. Est-ce que c'est une conviction de votre part que ça s'est fait réellement dans c'est un cadre... choix politique. L'opposition était unie dans la pression. Et en cela, nous faisions front avec ce qu'on a appelé le front du salut, qui était composé de l'UPT, l'Union pour la Tunisie, et du Front populaire. Mais la sortie de crise a vu s'opposer trois stratégies. Une stratégie qui misait sur l'échec des pourparlers pour parvenir à un accord bilatéral avec Nahda. La stratégie insurrectionnelle qui visait à faire chuter le gouvernement par l'action de rue. Et la troisième qui était la nôtre, celle de la recherche d'un compromis qui aurait permis d'éviter l'affrontement qui est générateur de violence, et donc de faire dérailler la Tunisie du processus pacifique de transition vers un scénario libyen ou syrien ou autre, ou égyptien, ce que nous ne voulions pas pour la Tunisie. Donc nous étions dans la recherche sincère d'un compromis avec Nahda. Nous ne l'avons pas obtenu en fin de compte, dans la mesure où le gouvernement de M. Jemaa a été constitué à la faveur d'un accord bilatéral entre l'UGTT et Nahda. Mais dans notre démarche, et tout au long de l'année 2013, nous avons sincèrement cherché une entente, un compromis, non pas au profit de Nahda ou du Jomhouri, mais pour que la Tunisie puisse terminer cette phase de transition et la couronner par de nouvelles élections libres. Donc nous avons progressé malgré tout. Nous avons une constitution, nous avons une instance indépendante des élections, nous avons un gouvernement neutre, ou apparemment neutre, et nous allons bientôt avoir la loi électorale, donc nous faisons de grands pas vers l'aboutissement de ce processus pacifique de transition démocratique. Maintenant, pour la présidentielle, Jomhouri va avoir un candidat à la présidentielle. Ces instances, les instances qui en prennent la décision, ne se sont pas réunies, n'ont pas fait le choix, et elles ne manqueront pas de le faire dès que la date des élections sera fixée et la loi électorale votée. Est-ce que ces instances pourraient faire l'affront au personnage historique pour ne pas le désigner? On verra. Soyons sérieux. On verra. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, le parti ne s'est pas réuni pour prendre sa décision. S'il vous plaît, oui. À la suite de ce que vous venez de dire, pas sur la présidence, mais sur l'analyse de la situation politique, vous rejoignez en cela l'avis des observateurs internationaux et même des États qui ont félicité la Tunisie pour un exemple unique. Parce oui. que ces trois années de transition, dans d'autres révolutions, on a vu des situations de tête coupée, de violence extrême. En Tunisie, malgré la perte de certaines vies humaines, on peut dire que ça s'est quand même calmement passé dans l'ensemble. Et la Tunisie a été félicitée, même par les plus grands pays du monde, pour le vote de cette constitution à un nombre extraordinaire, 200 voix contre 16. Eh bien, est-ce que ce n'est pas là où s'exprime justement la spécificité tunisienne de son peuple et de ses élus, primo? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas aussi un indicateur que les choses continueront à se passer dans l'intérêt de la Tunisie? Précisément, mon sentiment, c'est que les succès que nous avons pu réaliser au cours des trois années et par-delà toutes les difficultés que nous avons connues, les échecs, mais nos réalisations, c'est-à-dire cette constitution qui s'inscrit dans le sillage du réformisme tunisien, qui nous offre un cadre pour une pratique démocratique avancée, qui définit le modèle social que les Tunisiens se sont choisis presque unanimement, du moins un large consensus. Tout cela nous donne confiance en nous-mêmes et nous permet d'envisager l'avenir avec quiétude et surtout espoir. Donc je pense que la Tunisie pourrait être l'exemple réussi l'exemple d'une transition démocratique réussie dans le monde arabe. Alors comment on a évité tous les écueils qui nous auraient
pu nous mener vers des scénarios... En tout cas, vous avez réussi, toute la classe politique avec toutes ses variantes, vous avez réussi sur le plan international à donner l'unanimité des commentaires. Oui. Comment pensez-vous, Al-Jumhuri d'abord, puisque c'est ça qui vous concerne, puis toute la classe politique, retrouver grâce auprès du peuple tunisien pour rétablir la confiance et lui donner foi en le politique pour qu'il sache que c'est vraiment, malgré les difficultés, c'est en étant tous unis pour la patrie, on pourrait sauver ce pays. Je crois qu'en s'adressant à la population, en étant proche d'elle, et c'est ce que nous faisons dans le cadre du Parti Jomori, personnellement, depuis 2 ans, je conserve les 3 jours du week-end au déplacement à l'intérieur du pays pour être en contact de la population et à son écoute. C'est une très grande école, c'est une école irremplaçable pour comprendre et sentir. Est-ce que c'est l'école de Bourguiba, l'été Salmoubache ? Tout à fait, tout à fait. C'est l'école du contact direct que Bourguiba a exercé pour mobiliser la population à un moment où la Tunisie ne comptait que quelques millions, 3 millions de personnes qui étaient pauvres, qui étaient analphabètes à cette époque-là. Mais il en a fait sa force. Et sans cette force, il n'aurait pas compté par rapport à ses interlocuteurs français à propos de l'indépendance. Donc oui, le contact direct, et d'ailleurs maintenant ça devient une méthode. En France, M. Hollande l'a fait, M. Chirac avant lui, etc. C'est-à-dire ce contact direct est une source non seulement d'information, mais c'est surtout pour sentir la population, sentir ses besoins, les inscrire dans sa conscience et dans son projet. Donc nous sommes en contact avec la population, nous allons nous adresser à elle en toute vérité, en dévoilant nos valeurs. J'en ai parlé de 2 tout à l'heure, je voudrais terminer le 3e. S'il vous plaît, oui. Le 1er, c'était la démocratie libérale, 2e, le projet social progressiste, égalitaire, solidaire, et le 3e point, c'est ce réformisme tunisien qui ne voit pas les éléments constitutifs de notre identité, c'est-à-dire l'islam ou l'arabo-islamité d'une part et la modernité d'autre part comme 2 éléments conflictuels, mais comme 2 éléments parfaitement compatibles qui ont fait depuis Khaled Din Bech à la fin du 19e siècle la Tunisie d'aujourd'hui, une Tunisie moderne, parfaitement apaisée. Donc, sur le plan culturel, c'est notre 3e valeur. Nous révéler aux Tunisiens, leur faire sentir que nous sentons ce qu'ils sentent et que nous n'avons d'autre motivation à être sur le champ politique que de les servir, que de réaliser leurs attentes, et que nous sommes dans un esprit de concordance et d'unité, je pense que nous avons des chances pour être entendus cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que les élections telles que le stipule la Constitution pourraient se tenir d'ici la fin de l'année ? Si elles ne se tenaient pas, si elles ne se tenaient pas, d'ici la fin de l'année, ça serait l'échec du processus tunisien. Parce que qu'est-ce que nous avons fait ? Quelle est notre grande conquête ? C'est cette constitution. Si nous allons commencer par... faire une entorse. Lui faire de l'entorse et la transformer en une serpillière sur laquelle on essuie nos pieds, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime où la constitution était un papier qu'on déchirait à l'occasion de chaque élection pour la réécrire dans ses dispositions relatives aux élections, eh bien, on reviendrait en arrière et on perdrait tout ce que nous avons construit. Cela voudrait dire que ce n'était pas la peine de la faire et perdre 3 ans. Absolument. C'est que nous avons tout perdu. Donc, il y a des forces qui ne souhaitent peut-être pas voir les élections tenues avant la fin du mois. Je dis que cela serait grave par rapport à l'œuvre accomplie. Mais ça serait aussi très grave pour l'avenir de la Tunisie, parce que la première condition pour que la Tunisie se ressaisisse et se mette sur le chemin du progrès, c'est qu'elle se stabilise, c'est qu'elle mette fin à la période de transition, c'est qu'elle se dote d'un gouvernement qui ait une perspective de 5 années et qui soit soutenu par la majorité de la population. Est-ce que vous pensez que celui qui va avoir la responsabilité de diriger la Tunisie aux prochaines élections va avoir, au-delà des défis économiques, également le défi sécuritaire et surtout la lutte contre le terrorisme? Ou bien est-ce que c'est réglé, cette question du terrorisme? Non, pas du tout. Elle ne fait que commencer. Dans la mesure où elle s'alimente au désœuvrement des jeunes, à la pauvreté des régions, les jeunes n'ont en tête que l'évasion. Ils s'évadent sur les bateaux de la mort,
vers Lampedusa. Il s'évade dans la drogue qui fait des ravages dans les quartiers. Il s'évade en s'immolant par le feu, ou il s'évade dans le djihadisme, dans la mesure où des forces régionales et internationales leur offrent une idéologie, de l'argent et une logistique pour donner, soi-disant, un sens à leur vie. C'est une mission ici-bas et le paradis s'ils quittaient. Comment justement traiter cette question de djihadistes qui vont revenir de Syrie? Parce que le conflit commence, selon la géopolitique internationale, à peut-être se stabiliser ou même s'arrêter. Que faire de ces Tunisiens qui sont plusieurs centaines? Djemouri a fait plusieurs propositions. La constitution d'un conseil transitoire de sécurité nationale qui réunisse les représentants de l'État et ceux de la société civile et des partis politiques au plus haut niveau et dans un cadre restreint pour échanger les informations, parce que les Tunisiens sont désinformés. Les Tunisiens sont autant informés que les citoyens turcs ou maltais sur leur propre situation en Tunisie. Deuxièmement, pour échanger les avis sur une stratégie mobilisatrice contre le terrorisme. Et nous avons proposé aussi la constitution d'un fonds national de lutte contre le terrorisme, parce que nos forces de sécurité et notre armée n'ont pas les moyens techniques et la logistique nécessaires pour affronter ce phénomène. Nous avons proposé une loi sur les pupilles de la nation pour garantir ce qui se donne pour notre liberté et notre sécurité, que leurs enfants seront pris en charge par l'État et par la collectivité nationale jusqu'à l'âge de la majorité. Nous avons réclamé la constitution d'une agence unifiée d'information, de renseignement, pour que l'ensemble des intervenants puissent disposer de l'information nécessaire, qui est très importante, et du renseignement pour lutter contre le terrorisme. Tout cela est absolument nécessaire. Sur quel pays, frère ou ami, proche ou loin géographiquement parlant, vous pourrez compter, ou la Tunisie pourra compter, pour justement, parce que le terrorisme aujourd'hui a des ramifications internationales. Il n'est pas tunisien, il n'est pas algérien, il est internationalisé. Tout à fait. Comment, est-ce qu'il y a des liens suffisamment... Je crois qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et aidez-vous, le ciel vous aidera. Je vois que vous avez des références chrétiennes. J'ai été chez les Pères Blancs pour toute ma scolarité au secondaire. Ils vous ont bien marqué. Donc, mais je suis profondément arabo-musulman. J'ai cru comprendre. Très bien. Donc... mais c'est une affaire régionale, donc les relations avec la Libye et l'Algérie en particulier sont très importantes pour faire face à ce fléau, mais c'est une affaire internationale. Le terrorisme ne connaît pas les frontières, il ne connaît absolument pas les frontières, et le monde aujourd'hui mondialisé ne peut pas... C'est-à-dire la sécurité de la Tunisie, c'est la sécurité du flanc sud de l'Europe. Et donc, c'est une affaire internationale aussi. Et donc, la coopération internationale et régionale est absolument importante, mais elle ne peut pas être un substitut à l'action propre des Tunisiens eux-mêmes. Sur le plan économique, bien sûr, il y a les alliés classiques de la Tunisie, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Nos échanges sont très importants, particulièrement avec la France. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de développer nos échanges économiques, d'équilibrer et de s'orienter vers les pays émergents qui pourraient présenter une opportunité extraordinaire pour le pays, mais également vers des pays comme la Turquie ou la Malaisie, qui sont des pays musulmans membres de l'OIC, dont la Tunisie fait partie? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à une refonte des alliances économiques? Refonte, peut-être pas, mais... Une évolution, oui. Il ne faut pas nier le rôle de la géographie et de l'histoire dans les échanges économiques. La Tunisie est en échange avec l'Europe, non pas depuis quelques années, mais depuis plusieurs siècles. La Tunisie est un pays ouvert, un pays méditerranéen, et qui doit tenir compte des réalités méditerranéennes. C'est notre espace commun. Absolument, pour ébaucher ces stratégies de développement et de coopération internationale. Mais maintenant, le monde change.
le monde va devenir asiatique dans très très peu de temps. Et donc nous devons tenir compte de ces évolutions pour développer nos échanges économiques, mais non pas pour changer de cap. L'Europe reste un partenaire essentiel pour la Tunisie, et 80% de nos échanges se font aujourd'hui avec l'Europe. On pourrait diversifier, d'abord un échange sud-sud, lorsque les conditions seront réunies avec la Libye, avec l'Algérie, le Maghreb, le monde arabe, c'est notre profondeur, mais aussi avec les pays émergents de l'Asie ou de l'Amérique latine. Mais il ne faut pas croire qu'en changeant de cap, en changeant d'alliance, en changeant de circuit d'échange, nous allons pouvoir nous développer. C'est-à-dire qu'il faut conserver nos conquêtes, nos acquis, et développer nos échanges, agrandir. Il y a l'Afrique qui est absolument extrêmement importante. Et d'ailleurs, le Maroc a joué cette carte africaine et a développé son économie. Tout à fait. Monsieur Ahmed Najib Chebbi, une autre question qui est d'actualité pressante aujourd'hui, c'est la question des ressources naturelles tunisiennes, à savoir le pétrole, qui me semble un sujet tabou depuis que je suis là et que je pose des questions. Il y a comme une sorte d'unanimité. Tous les politiques me disent « Ah non, on n'a pas de pétrole ». Et les experts, les économistes, les analystes, des articles aux États-Unis, au New York Times et d'autres magazines, affirment qu'il y a du pétrole en Tunisie. On sait qu'il y a des entreprises qui exploitent. Il y a 57 permis. Il y a des entreprises internationales. Les Seven Sisters sont là. Et alors, s'il n'y a pas de pétrole, qu'est-ce qu'elles font ? Quelle est votre réponse sur cette question? Et est-ce qu'il y a vraiment du pétrole? Et pourquoi est-ce qu'on donne des contrats avec 10% seulement pour l'État tunisien et 90% pour l'exploitant? Écoutez, je ne pourrai pas vous répondre avec précision, mais j'ai quelques craintes que ce problème ne soit posé d'une manière idéologique plus qu'économique et politique. Je sais que la Tunisie a un grand problème énergétique. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de pétrole et nous allons en avoir de moins en moins. Nous n'avons pas suffisamment de gaz et nous allons en avoir de moins en moins. Et nous devons penser à de nouvelles sources d'énergie. Ça peut être des énergies renouvelables, mais ça peut être aussi le recours au charbon. C'est une question de calcul économique. Donc il y a une véritable crise énergétique qui pointe à l'horizon en Tunisie, dont les politiques ne sont pas très conscients. Et je crois qu'une concertation nationale, mais faite sur la base de données scientifiques et chiffrées sur notre potentiel énergétique, sur nos besoins... Est-ce que vous trouvez normal quand même qu'un ministre déclare à 3 jours d'intervalle « Oui, la Tunisie produit 60 000 barils de pétrole » et 3 jours après, il dit 90 000 barils. Ça fait quand même une sacrée somme d'argent, l'écart. Oui, oui, précisément. C'est pourquoi je vous dis que le débat sur cette question en Tunisie, aujourd'hui, peut-être que ce sont les conditions qui ne le permettent pas, n'est pas un débat stratégique basé sur des données réelles, scientifiques, quantifiées, avec des prévisions pour les prochaines décennies. Et c'est plus un débat idéologique. C'est là où je vois le politicien expérimenté. Merci de cette réponse sur les considérations énergétiques tunisiennes, mais ça ne répond pas à la question « Nous avons ou nous n'avons pas de pétrole ?» Vous êtes chef d'un parti important. Oui, je suis chef d'un parti. Si je me fie aux données qui sont publiées, je dis que la Tunisie a peu de ressources naturelles et a peu de ressources énergétiques. Et que la Tunisie fait face à une crise grave de ressources énergétiques. Même le gaz algérien, qui passe toujours à travers la Tunisie pour l'Italie, son rôle va diminuer dans les années à venir parce qu'il y a des liens directs. Donc il faut prendre cette question à bras-le-corps. À bras-le-corps, et c'est une question vitale pour l'avenir du pays, de son économie, parce que l'énergie, c'est un peu l'âme de l'économie. Monsieur Ahmed Najib Chebbi, il y a pratiquement 2 millions de Tunisiens à l'étranger. Oui. Une communauté très importante, essentiellement en Europe, particulièrement en France. Vous êtes responsable d'un parti politique qui a une présence en France et ailleurs. Oui. Ce sont des électeurs pratiquement pour la majorité, puisqu'ils sont d'un certain âge. Et est-ce que vous considérez ces électeurs comme un de vos réservoirs importants de voix? Et quelles sont les actions spécifiques pour ces communautés qui souffrent
comme tous les citoyens des pays dans lesquels ils sont, des difficultés économiques, mais qui ont d'autres difficultés, à savoir le rejet, le racisme, les accords bilatéraux qui n'ont pas été révisés. Qu'est-ce que vous proposez pour ces gens pour qu'ils votent pour Al-Jomouri? Il y a des préoccupations plus qu'électorales. Un dixième de la population se trouve à l'étranger et un grand nombre se trouve en France particulièrement. Ces Tunisiens, la révolution leur a reconnu leur citoyenneté dans la mesure où elle les a associés à l'élaboration de la Constitution et cette Constitution leur a reconnu leur citoyenneté pleine et entière, c'est-à-dire le droit d'être représentés à l'Assemblée du peuple, des représentants du peuple. Donc c'est des Tunisiens qui ont été intégrés dans l'édifice national, dans l'élaboration et la conception et l'élaboration des lois pour l'avenir de la Tunisie. Nous sommes conscients que nos concitoyens en Tunisie, en France et ailleurs, ont des problèmes spécifiques. Et l'État tunisien se doit d'être auprès d'eux pour défendre leurs droits par une relation amicale avec les pays hôtes, bien évidemment. Mais ces Tunisiens aussi ont des aspirations, peut-être pas tous, à réintégrer le pays. Vous savez, la première génération, elle part avec les rêve de revenir. Les enfants sont là. Voilà, et en fait, ça devient plus une diaspora qu'une colonie. Donc ces Tunisiens-là souhaitent, pour une part d'entre eux, d'investir en Tunisie, de participer, d'ailleurs ils contribuent puissamment à l'équilibre économique du pays dans la mesure où ce qu'ils envoient mensuellement à leur famille constitue une source importante de devises pour le pays. Mais il n'y a pas que cela, il y a leur aspiration à contribuer à l'édification de l'économie tunisienne par l'investissement. L'État tunisien doit leur faciliter cette tâche au maximum. Mais il n'y a pas que cela. Ces Tunisiens qui sont à l'étranger, qui sont depuis des décennies aujourd'hui, ont constitué des liens importants dans les différents secteurs, qu'ils soient économiques, culturels, politiques, etc. Ils peuvent être les représentants de la Tunisie dans leur pays d'accueil et aider à ce que l'investissement étranger se fasse en direction de la Tunisie et que la coopération scientifique Est-ce et économique... Est-ce qu'on va avoir le candidat Ahmed Najib Chebbi en visite dans ces différents pays pour s'adresser directement à ses concitoyens de l'autre rive de la Méditerranée? Ça, c'est ma dernière question. Sans que je ne sois encore candidat, j'étais à Paris et à Lille... Vous y pensez quand même? Quand même. Oui, je suis obligé, puisque voilà. Les échéances s'approchent. Mais je vous dis que j'étais le mois dernier à Paris, à Lille, où j'ai tenu des réunions avec les Tunisiens établis dans ces deux villes, où j'ai eu des contacts avec eux. Et l'accueil étant ? Chaleureux, comme d'habitude. Vous savez que je suis un ancien émigré, j'ai passé une dizaine d'années en France. Donc on n'a pas besoin de vous sensibiliser sur la question, l'avez vécu. Oui, je l'ai vécu et je sais ce que c'est que l'émigration et ce déchirement entre deux mondes auxquels on appartient également. Monsieur Ahmed Najib Chebbi, merci de nous avoir reçus, merci de vos réponses et bon vent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci. Oui, que le meilleur gagne. Merci.